Zouza, entre, les mains. Roucha, nous avons un si bon travail aujourd'hui. Nous acceptons tout le monde. Oui, on vérifie que tout le monde a un masque. Oh, les filles, salut. Artiem, où est ton masque de beauté? Je n'en ai pas. Tu n'en as pas? Maroussia, donne-moi des serviettes. Tiens, tu vas te protéger. Tu peux passer. Passe. Suivant. Alors, Patrick, ton masque est neuf? Oui. Les mains. Tu peux passer. Suivant. Oh, Artiem, bien joué. Tu te protèges. Les mains. Tu peux passer. Suivant. Oh, salut. Les joueurs de basket, donnez vos mains. Dépêchez-vous. Donnez vos ballons. Non, pas les ballons. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous devez les donner. J'aime tellement aseptiser tout le monde. Maroussia, tu as vu comment les basketteurs me regardaient? Salut les filles. Salut les gars. Les mains. Attendez. Où sont vos masques de beauté? Tu ne vois pas? Nous portons des casques. Avec ça, rien ne peut n'y pénétrer. Les gars, je ne veux rien entendre. Vos mains. Et allez chez le principal. Je n'ai pas besoin d'être accepté. Je porte des gants. Chez le principal. Tu ne peux pas entrer sans masque. Allez-y, les gars. Allez au bureau du principal. Au suivant. Oh, les pom-pom girls. Qui est qui? Nommez-vous. Diana. Lia. Vos mains. Suivant. Main. Knoppa. Est-ce que ça va? J'ai dépensé une demi-bouteille pour la moitié des étudiants. Maroussia, je n'en ai pas eu beaucoup non plus. Kostia, je t'ai dit que nous devons porter des masques à l'extérieur. Nous les mettrons quand nous rentrerons à la maison. Mais on ne comprend pas. Pourquoi vous enlevez toujours les masques? On doit aussi porter les masques à l'école? Non! Le directeur a dit que nous devions porter les masques à l'extérieur. Les filles, nous sommes en fait assis à la maison en train d'observer le confinement. Nos parents nous emmènent à l'école. Arrête de parler, Groucha, donne-moi du désinfectant. Et pour moi aussi. Mais essaye juste au moins de sortir pendant la pause. Nous allons immédiatement nous plaindre au directeur, parce qu'on surveille tout le monde aujourd'hui. Les mains. Tirez les filles, l'ambiance est si mauvaise à cause de ce confinement. Je suis d'accord, nous avons passé une semaine entière à la maison, c'est tellement ennuyeux et le concours a été annulé. Ce n'est pas drôle du tout. Les filles, nous devons passer cet enfermement de manière profitable. Profitablement? Il n'y a rien de bon dans ce confinement. C'est ça, comment pouvons-nous en profiter? Les filles, vous ferez mieux de vous taire. Nous ne voyons pas du tout nos joueurs de basket, seulement à l'école. Oui, les filles, nous observons un confinement. Nos parents ne nous laissent pas sortir. Ils observent aussi le confinement. Leurs parents ne les laissent pas sortir. On n'a plus de vie privée du tout. Les filles, c'est vraiment trop drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Nous devons l'utiliser de manière rentable, profitablement. De quel profit tu parles? Nous ne voyons pas nos petits amis. Yana, tu dois te calmer et arrêter de pleurer. Alors les filles, vous avez des idées? J'en ai une. Prenons une barre chocolatée. On va manger tellement de sucreries. Et après ça, nous allons être comme ça en été. Oh, Knoppa, tu n'as personne à qui te montrer. Tu n'as pas de petite amie. Yana, c'est trop. Arrête. Écoutez-moi, j'ai une bien meilleure idée, les filles. On pourrait par exemple ouvrir une école de danse ensemble. Une école de danse, Diana? On est déjà des pom-pom girls, tu sais. Les filles, arrêtez de vous montrer. Attendez les filles, je sais qu'on est des pom-pom girls, mais il y a d'autres enfants à l'école. Ils s'ennuient aussi. On pourrait peut-être leur apprendre quelque chose. Vraiment, ouvrons l'école de danse et apprenons quelque chose à ces ratés. C'est ça. En fait, moi, j'aimerais bien danser le hip-hop. Le hip-hop est une relique du passé. Le twerk, c'est cool. Alors, tu es pour l'école de danse? Oui les filles, votons et prenons une décision. On est pour! Oh, les filles, salut! Pourquoi vous ne portez pas de masque? Chérie, arrête de m'embêter. Yana, je vais essayer. Salut, ma chérie, c'est pour toi. Smile! Louis Vuitton, où est-ce que tu l'as eu? Les magasins sont fermés. Chérie, tout ce qui est là est pour toi. Les filles, c'est si mignon! Alors, les filles, on va le déballer. Oh, un paquet. C'est si léger, ça doit être un sac à main. Smile, tu es le meilleur. Je t'aime tellement. Smile, c'est quoi ça? Diana, en ce moment, c'est plus cool que Louis Vuitton. C'est un déficit. Tu sais, Smile, c'est une mauvaise blague. Tu m'as offensée. Diana, tu ne devrais pas réagir ainsi. J'en ai donné un aussi à Bros, il le donnera à Yana. Mais Bros! C'est ça, arrêtez de rire, parlons de choses importantes. Les gars, on a une offre, on veut ouvrir une école de danse. Les gars, décidez si vous êtes avec nous. Allez-vous rejoindre notre école de danse?
Qu'allons-nous danser? Un slow? Non, nous allons danser différents types de danse. Nous l'avons décidé avec les filles. Oui, nous allons passer le confinement de manière profitable. Certains apprendront à danser, d'autres garderont la forme. On est partant! C'est cool! Allons-y! Ouf, les gars! Je suis si pleine! Le déjeuner était si bon! Vous savez quoi? On vit un moment génial. On mange, on dort et on étudie. Les gars, vous voulez entendre quelque chose? Quoi? Quoi? Une école de danse a ouvert ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, les pom-pom girls ont ouvert une école de danse. Une école gratuite? Une école gratuite? Les filles, dépêchez-vous! Les gars, on y va! Smile, j'attends tellement la fin de ce confinement. On va aller au cinéma, au restaurant. On va profiter de la vie et se promener. Bros, parle-moi. Yana, je garde la forme. Bien sûr, Bros, garde la forme. Je n'ai pas besoin d'un petit ami obèse, sinon je vais rompre avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est bon, Bros, je suis contrarié. Regarde-les. Alors quoi? Ils sont toujours en train de s'embrasser et tu es toujours en train de faire de la musculation. Écoute, si tu n'arrêtes pas, il n'y aura plus d'école de danse. Alors, on va bientôt commencer? C'est ici l'école de danse? On est là pour danser. C'est gratuit. Ouah, Smile, regarde, il y a tellement de monde. Alors, Diana, tu voulais une école de danse? Alors, apprends-leur. Bros, tu vois, tout le monde est là. Surtout les joueurs de football, ce sont de si bons danseurs. Alors quoi? On veut danser. Allez. Vous ne voyez pas, les gars, que notre entraîneur est occupé? Ouais, ces Twix ne se sont pas encore embrassés. Tu entends, Smile? Ils nous appellent Twix. Ok, les filles, si vous voulez des danses, vous les aurez. Mettez-vous en ligne. Allez, allez. On est tous prêts à apprendre à danser. On est prêts à brûler. Vous voulez danser? Commençons alors. Les filles, la première danse. Les gars, vous vous débrouillez bien. C'est trop cool. Continuez à danser. Dansez, ne vous arrêtez pas. Bien les gars, nous avons appris la première danse. Bien joué, vous méritez des applaudissements. Silence, s'il vous plaît. Maintenant, la deuxième danse. The drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Alors les gars, ça vous a plu? Super les gars, je vous attends ici demain à la même heure. Encore une danse! Encore une danse! S'il vous plaît! Encore une danse? On leur montre les filles? Un, deux, trois! Les gars, si vous aimez cette vidéo, mettez les pouces en haut. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. Ne tombez pas malade et restez en bonne santé.